Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo après séance. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Kong Skull Island. Donc sorti le 8 mars, donc réalisé par Jordan Voight Roberts. En acteurs principaux nous avons Thomas Hiddleston, donc le Loki. Oui, parce que c'est en train de tourner en même temps. Le Loki de Avengers, enfin les épisodes de Thor. Samuel L. Jackson, donc je n'ai pas vraiment à vous présenter. Brie Larson qui sera dans l'écurie de Marvel très prochainement dans Captain Marvel, John C. Reilly, John Goodman, Corey Hawkins qui est Is dans Walking Dead et dans la nouvelle série 24 Legacy, John Ortiz et Jing Tian. Voilà, donc pour le casting. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé réellement de ce film-là? Alors, j'en attendais pas trop de ce film-là parce que j'avais pas bien apprécié l'épisode avec Peter Jackson. Sur laquelle voilà, il revenait vraiment dans un remake des années sur le film des années 30, et d'ailleurs qui était beaucoup beaucoup trop long à mon goût. Et je crois que celui de Peter Jackson il durait plus de 3 heures, il mettait trop longtemps à se mettre en place en ce qui concerne son intrigue. Et puis là, pour ce film là qui dure 2 heures quand même, hein, faut le dire, j'ai mieux apprécié l'univers et ce qui l'entoure de ce Kong Skull Island. De ce nouveau King Kong, si vous voulez. Parce que ça démarre mieux. On ne voit pas trop dans qui, si vous voulez, en ce qui concerne les personnages. Après, voilà, je vais en parler un peu plus sur, en ce qui concerne les personnages de ce film-là, que j'ai pas trouvé terrible, terrible. Mais j'ai trouvé voilà, que en termes de trame principale, il était plutôt bien. Donc, on est dans les années 70, juste après la fin de la guerre contre le Vietnam. Et donc on est, il y a une équipe de scientifiques qui doit enquêter sur une île qui n'est pas cartographiée, avec à son bord des soldats et des scientifiques comme je l'ai énoncé. Et donc comme toujours, quand on fout la merde dans une île, bah vous avez le petit con qui est là pour foutre la merde. Qu'on peut dire, voilà, donc c'est vraiment ça le but du film. Ça fait beaucoup penser un peu au monde perdu. Si vous voyez un peu le monde perdu de Jurassic Park, ça fait beaucoup penser à ça. Quand le fait de débarquer, foutre la merde, essayer de capturer les animaux, tout ça, le débarquement, si vous voulez, et puis ça y ressemble étrangement. Même un autre film qui en découle, qui ressemble vraiment beaucoup, beaucoup, c'est sur Godzilla. C'est impressionnant la façon dont ça a été fait en ce qui concerne le film. Parce que pour ma part, Kong Skull Island, il peut être bien, mais pour ma part, c'est un film type de commande, quoi. C'est pas un film où il y a vraiment la patte du réalisateur, même si, voilà, comme je le disais, le film n'est pas mauvais, mais on sent voilà, qu'il n'y a pas eu d'envie dans ce film-là. C'est un peu dommage parce que le film n'est pas mauvais du tout. Moi, ce qui m'a un peu dérangé dans ce jeu-là, ça a été en ce qui me concerne les personnages en elles-mêmes. J'aime beaucoup Tommy Hiddleston, si j'ai bien réussi à le prononcer, qui fait Loki dans les Avengers et Thor. Et puis là, putain, j'ai l'impression qu'il était vraiment, vraiment hyper transparent. Il y avait vraiment que Samuel L. Jackson qui faisait son taf. On peut pas lui retirer ça parce que voilà, Samuel Jackson il a une filmographie mais monumentale et j'adore cet acteur là. Après voilà, la révélation dans ce film là, ça a été Brie Larson, c'est la Jane de Tarzan. Sauf que là, ce qui était bien, c'est que Kong, voilà, il est pas dans cet esprit romance avec une humaine. Là, j'ai trouvé vraiment super appréciable de pas avoir cela dans ce Kong là. Heureusement, parce que ça m'aurait bien fiché que la gonzesse qui la reporter qui du coup dans ce film là, ça m'aurait fiché qu'il aurait eu une romance avec King Kong. Mais là, ce n'est pas du tout le cas et je ne peux que vraiment remercier, je pense, le réalisateur ou le producteur de ne pas avoir mis ce truc là, parce que je pense que ça a encore gâché le film. Déjà avec celui de Peter Jackson, j'étais assez assez déçu quand même de ce point de vue là, mais ce côté là voilà, c'était vraiment pas mal. Et après voilà, je vous fais le rapprochement avec Godzilla parce que j'ai entendu dire que il va y avoir un film avec Kong et Godzilla
Ouais, ça m'a fait un peu bizarre. Ça fait beaucoup aussi penser un peu à Pacific Rim. Vous voyez, c'est un peu les créatures géantes, quoi. Ça devient de plus en plus la mode de voir ce genre de film-là. Bon, comme je le disais avec Pacific Rim et Godzilla, pour ne citer que. Est-ce que c'est bien ou pas? Moi, j'ai pas apprécié énormément Godzilla et puis Pacific Rim. Malgré celui-ci, j'aime quand même mieux apprécier celui-ci. Il n'y a pas, y a vraiment pas photo. Puisque au niveau de son univers et qui n'a pas trop d'attachement en ce qui concerne les vieux Kong, là c'est vraiment très très appréciable. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai vu que celui de Peter Jackson, j'ai pas vu les anciens, que ce soit les versions américaines ou chinoises, ou chinoises ou japonaises, je sais plus. Mais celui-ci, voilà, j'ai accroché quand même, malgré tout, après un bon petit Logan et puis celui-ci, c'est vrai que. On a quand même de bons films. Après, ça reste un film blockbuster. Hein. C'est pas non plus un film de lambda, quoi, si vous voulez. Donc après, ça fait son taf. Je ne peux que féliciter le réalisateur, le développeur, tout ce que vous voulez, d'avoir pondu ce film-là. Après, espérons que. Je ne sais pas si c'est tout de suite que va sortir le Kong versus Godzilla, parce que c'est vrai que je l'ai entendu que très récemment qu'il allait y avoir un film sur l'affrontement des deux créatures. Donc à voir ouais, réellement si ça va avoir un impact. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ce film marche, parce qu'il ne démérite pas, parce qu'il y a vraiment pas mal de bons trucs. Il y a même du gore, dire vrai, c'est vrai que ça m'a surpris. Il y a un peu de démembrement, mais c'est vrai que ça a été filmé d'une façon où on ne voit pas le démembrement avec une grosse giclée de sang. Il y a juste un moment donné avec les sortes de vers là qui tuent un Marines, où là, ouais, il y a une grosse giclée de sang quand il bouffe le mec. Mais on ne voit pas vraiment que. Bah, si, on voit plus loin sur une scène. D'ailleurs, je reviens sur une scène avec Tom Hiddleston, vers le milieu du film, excusez-moi. Lorsqu'il y a l'attaque d'un ver, justement, qui est l'ennemi de Kong, pas le mastodonte, hein, c'est plus ses enfants, si vous voulez, qui affrontent les Marines. Et il y a une scène en particulier où il y a des grenades, où il y a du gaz qui en dégage. Et vous voyez Tom Hiddleston, donc c'est quoi son nom c'est Capitaine James Conrad, qui sort un masque à gaz, on ne sait pas d'où. Et qui prend le sabre d'un Marines qui s'est échoué sur l'île dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez une scène avec des sortes de chauves-souris, un peu à la manière des créatures des Jurassic Park, qui nous fait une chorégraphie, mais oh, mal pensée, mal faite, c'est incroyable. Et puis, c'est vrai que ça a été le point négatif que je pourrais lui retoquer sur cette scène, elle était mal faite, mal conçue. D'ailleurs, on a même vu une vue FPS au jeu vidéo, quoi, si vous voulez, à la Call of Duty. Et ça m'a fait drôle de voir ce genre de scène-là. Pourquoi il y a eu du gaz, pourquoi l'autre il a comme par hasard un masque à gaz. Voilà quoi. Après, c'est vrai que le jeu d'acteur, comme je disais, était vraiment très décevant, excusez-moi, comme je le disais, à part Brie Larson et Samuel L. Jackson qui ont fait leur taf. Par contre, les autres, même le mec qui fait Heath dans Walking Dead, je l'ai pas trouvé super. C'est un acteur qui monte pourtant mais malgré tout, je trouve que son jeu passable quand même de ce gars-là. Je crois que c'est Corey Hawkins, voilà. Je trouvais ça, ouais. Je sais pas pourquoi ce mec-là arrive à monter dans l'industrie du cinéma par rapport, moi, ouais, je pourrais dire à un Tom Hiddleston, parce que lui, voilà, il a eu un rôle clé dans sa filmographie, Loki, dans les Avengers. Lui, il joue bien. Par contre, dans celui-ci, il joue mal. Par contre, j'ai entendu dire aussi qu'il faisait partie des favoris pour remplacer Daniel Craig en 007. Alors. Je dis pas qu'il va être mauvais, mais au vu de ce film-là où il a pas si bien joué que ça, j'ai des craintes quand même. Bon, j'espère que Daniel Craig re-signera pour deux films après quand même. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Kong Skull Island. Alors moi j'ai bien apprécié malgré tout, malgré que le jeu d'acteur a été assez moyen, l'histoire est plutôt intéressante, l'univers, la bande son, enfin tout ce qui est la BO si vous voulez, était vraiment pas mal. Je ne peux que vous le conseiller. À part
Ceux qui ils ont regardé celui de Peter Jackson, vous êtes peut-être déçus, mais moi j'ai préféré celui-ci que Peter Jackson. Donc voilà pour cette vidéo après séance. Donc j'espère vous en avoir assez dit de ce que j'en pense de ce film-là. Un bon cru que je vous conseille d'aller voir. Donc voilà. Donc alors, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo après séance. Je ne sais pas lequel film je vais aller voir. Il y a déjà Gardien de la Galaxie 2 que je vais aller voir, mais il sort pas tout de suite, il sort fin avril. Donc d'ici là, je ne sais pas si je vais sortir une nouvelle vidéo dans les jours qui viennent. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao!